Bonjour les petites brodeuses, bienvenue pour la dernière partie de la vidéo broder l'automne avec moi. Alors pour finir cette couronne, on va broder ensemble l'échinacée qui est ici. On va broder les feuilles et enfin on va écrire l'automne ou en anglais fall ici en broderie. Et pour la petite touche ici, il y a un petit espace libre pour vous laisser vraiment choisir ce que vous voulez. Ça peut être un petit nœud, un petit ruban, un petit bouton. Laissez libre cours à votre imagination. Et voilà, on va terminer cette broderie pour aujourd'hui. Donc c'est parti. Pour faire l'échinacée ici, j'ai choisi trois couleurs. Tout d'abord la couleur qui va servir à faire les pétales. Donc la couleur un petit peu rose, un peu passée. J'approche ça. Voilà, le 223. Il va y avoir le brun 09 qui va servir à faire le cœur de l'échinacée. Et pour les feuilles, on va prendre le 30-12 qui est un petit vert de saison. Voilà, on va prendre ça. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu, on va commencer par le cœur de l'échinacée. L'échinacée, c'est un petit cœur avec des petits pics. Pour faire ces petits pics, on va se servir des petits nœuds à la française, entre autres. Donc je vais vous montrer, on fait ça ensemble. Le cœur de l'échinacée, ça vraiment, si vous allez toucher une échinacée, c'est piquant. C'est piquant en son cœur et c'est tout foncé. Et en fait, les graines sont cachées en dessous de ces petits pics. C'est vraiment absolument magnifique à aller voir, à aller chercher. Vous enlevez le petit pic et en dessous vous avez la petite graine. Et donc pour faire ce relief, on va utiliser un point très simple qu'on a déjà utilisé. On va faire des petits nœuds français. Donc vous venez piquer et vous venez tourner trois fois autour de votre aiguille. Vous repassez le fil et voilà, vous avez un petit nœud à la française. C'est ce qui va représenter le mieux les petits pics, enfin donner ce relief vraiment pour le cœur de l'échinacée. Voilà, et vous les serrez assez bien l'un à côté de l'autre, ce qui fait que vous allez avoir vraiment quelque chose de très foncé mais de très très proche en même temps. Regardez, je vous montre, j'en fais un autre très proche. Donc vous voyez ce que ça donne en faisant les petits nœuds français vraiment serrés les uns contre les autres, tout collés. Ça va vous donner cette masse foncée, mais en même temps vous avez ce relief qui représente un petit peu le cœur de l'échinacée. Voilà. Donc on continue, on remplit vraiment toute la partie du cœur. Voilà, vous voyez un petit peu le relief? Vous allez le voir sur votre propre broderie, vous allez pouvoir le sentir avec vos doigts. C'est très foncé, donc on voit pas très très bien. Mais voilà, vous avez tous ces petits points qui sont faits. Et voilà. Et maintenant, on va s'attaquer aux pétales. Pour les pétales, on va donc prendre la couleur 223, ce petit rose un peu passé qui tire légèrement sur le violet. Hein. Tout dépend de la couleur, comment on le regarde.
Vous voyez, c'est vraiment un rose qui tire légèrement sur le mauve. Et en trois brins, on va venir piquer au centre du pétale à sa base. Comme ça. On sort notre fil et on le ramène à la pointe du pétale. Là, vous avez une petite ligne au centre. Vous venez toujours repiquer vers la base et vous ramenez de chaque côté de votre premier point. En suivant le dessin, vous ramenez votre fil. Comme ça. Je repique à la base. Je suis la ligne de mon dessin. Je pique un petit peu plus bas que mon point précédent. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reviens à la base. Je suis la ligne du dessin. Et je repique un petit peu plus bas à la base. Le long de la ligne, un petit peu plus bas que mon point précédent. Et voilà, vous avez un premier pétale de fée. Et en fait, il faut faire exactement la même chose avec tous les autres pétales de la fleur. Vous avez vos petites pétales qui sont faites. Alors, on va commencer par faire les feuilles. Et de la même manière qu'on a fait les feuilles des branches ici, je vous montre. Vous voyez, on est venu au centre, ramener les fils chacun leur tour. Et on va faire la même chose, mais ici ça va être beaucoup plus grand. Donc, pour commencer, vous allez prendre 3 brins du fil vert, le 30-12. Et ensuite, vous venez dessiner avec votre fil la ligne centrale de votre feuille. Voilà, ça va être notre repère. Et on va partir de la pointe, cette fois-ci. On va ramener le fil vers notre ligne centrale. Et maintenant, on va suivre toute la ligne du dessin. Donc, toute cette ligne-ci du dessin. On va suivre, on va venir piquer notre aiguille à chaque fois dans cette ligne et le ramener vers le centre, vers notre ligne qui fait le centre de notre pétale, en faisant un point long
un point un petit peu plus court, ce qui permet de créer un arrondi. On va faire comme ça. Là, je reviens vers le centre. Je repique sur la ligne du dessin et je pique avant ma ligne de centre. Je repique dans ma ligne du dessin, je pique au centre. Je repique dans la ligne et je viens piquer avant. Et ainsi de suite, tout le long comme ça, jusque la tige de la fleur. On va remplir la feuille de cette manière. Voilà ce que ça donne quand vous avez fait la moitié de votre feuille. De la même manière, vous allez venir remplir l'autre côté de la feuille en repartant de la pointe. Donc vous venez repiquer votre aiguille à la pointe de la feuille. Vous venez faire un point court. Et à nouveau, vous venez repiquer sur la ligne de dessin et vous refaites un point long le long de votre centre. Et ainsi de suite, vous faites la même chose que l'autre partie de la feuille dans le fond. Voilà, vous avez une première feuille. Et maintenant, il faut faire la même chose avec la feuille qui lui fait face. Vous venez à nouveau faire des points pour suivre la ligne du centre. En plus, vous voyez, ça prend un petit peu de... ça fait un petit peu une vague. Donc vous suivez bien la ligne du dessin. Voilà. Et de la même manière, vous allez toujours en trois brins, suivre les lignes du dessin de la feuille en ramenant toujours votre fil vers le centre, vers la ligne du centre. Et vous pouvez soit laisser la ligne apparente, soit la recouvrir. Moi, je l'ai laissée apparente. Vous voyez ici, on la voit la ligne. On voit les fils. Vous pouvez la laisser apparente ou si vous voulez la recouvrir, à ce compte-là, vous passez par-dessus. Donc, vous avez un point long. Ici, je viens repiquer à côté, je fais un point un peu plus court. Je viens repiquer sur ma ligne de dessin et là, je fais un point un peu plus long. Et ainsi de suite. Et enfin, vous aurez vos deux feuilles d'échinacées. Quand vous avez fini les feuilles, vous voyez, vous avez vos lignes, c'est rigolo parce que vous avez vos lignes centrales qui se suivent, vraiment on a l'impression que c'est une continuité. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à tirer votre fil pour créer la tige. Tout simplement, vous venez en dessous des feuilles avec toujours le même vert. Vous venez piquer un petit peu plus haut en suivant le dessin de la tige. Et là, vous venez piquer au centre de vos fils pour que les fils se fondent les uns dans les autres. Voilà, regardez, je vous montre un petit peu. Donc je viens piquer un peu plus haut. Et là, je pique au centre de mes fils du point précédent. Chercher. Hop. Jusque au pétale. Et je pique au centre. Hein. Je vous montre ça un petit peu plus en détail. Je viens piquer vraiment entre mes fils. Je vous ai déjà montré ce point. C'est facile à faire. Voilà. Et enfin, le dernier point.
et j'ai ma tige. Tout simplement. Vous voyez comme ça prend forme. C'est quand même super la broderie. Voilà, on vient de faire cette fleur. Et maintenant, il nous reste les feuilles ici à faire. Je vous explique ma démarche, c'est que j'ai envie de quelque chose d'équilibré. Vous voyez, ici, on a le petit orangé, les feuilles un peu fanées, un peu orangées avec l'automne. Et on retrouve cet orangé ici et ici. C'est équilibré. On a les deux roses ici qui s'équilibrent. On a le rouge de l'églantier. On a le vieux rose qui se retrouve ici, le rose un peu plus chatoyant. Voilà, on se les retrouve d'un bord à l'autre. Et j'ai envie que ce bleu un peu vert qu'on a ici, et bien qu'on le retrouve dans la feuille ici. Donc on va reprendre le fil 503 et le fil 3817 qu'on avait utilisé pour faire cette branche ici, on va les utiliser pour faire les feuilles ici. Mais on va les faire de la même manière qu'on a fait les premières feuilles au tout début de la broderie, un petit peu à la peinture à l'aiguille. Donc ça va être en un seul brin pour ces couleurs-là, pour faire ces feuilles ici. Pour faire les feuilles ici, on va prendre tout d'abord la couleur plus foncée qui est le 3817 en un seul brin. Donc on va commencer par la petite feuille comme ça, après vous pouvez faire la grande feuille par vous-même. Donc on va prendre un seul brin et on va venir appliquer au centre tout d'abord les points nécessaires pour donner cette profondeur enfoncée. Donc on vient comme toujours tirer une ligne de centre. Et ça va être notre guide pour nos fils. À partir de là, donc à partir du haut, on va venir remplir toujours en un brin en faisant un point long et un point court et ainsi de suite. Et là, en tournant tout autour de notre ligne centrale. On va laisser les extrémités des feuilles, des petits pics de feuilles, on va les laisser à jour pour pouvoir mettre ensuite la couleur la plus claire. Voilà. Encore une fois, c'est du passé plat. Tout simplement, avec des points longs, des points courts. Et en suivant bien l'angle du dessin, vous voyez l'angle de la feuille. Hop. Allez-y, amusez-vous. Moi, je pars avec le plus foncé, mais vous pouvez tout aussi bien partir avec le plus clair, hein. Vous êtes libre de poser les couleurs comme vous le souhaitez. Des petites peluches qui se baladent. Hop. Donc le but c'est de poser des petits points comme ça, foncés tout autour de notre ligne centrale. Bon, vous voyez là j'ai ce petite feuille là, ça s'arrête comme ça. Hop, je vais venir ensuite reprendre l'inclinaison de cette feuille-ci.
Donc là, j'hésite pas à remplir au complet. Voyez, regardez, je vous montre. Hop, je vais essayer de vous montrer. Là, je redonne une inclinaison. Et je vais suivre cette ligne. Comme ça. Oups. Voilà. Et là, ici, donc, je vais remplir. Pour combler mon vide. Tout en gardant cette petite inclinaison de fil. Voilà. Je vous montre ça d'un peu plus près et on continue un petit peu ensemble. Vous voyez, on a fait avec la couleur plus foncée, donc avec le 503, on a fait le centre de la feuille. Vous voyez que c'est léger, c'est clair, on voit un petit peu à travers nos points, mais que ça remplit quand même un petit peu le centre de la feuille. Et là, maintenant, c'est là que ça va prendre tout son sens, c'est quand on va venir ajouter cette couleur un petit peu plus claire, donc le 3817, et qu'on va venir, en suivant les lignes du dessin, on va venir remplir avec nos fils, vraiment pour combler. Et on ne va pas avoir peur de passer entre nos fils déjà en place et même par-dessus à certains endroits. Donc on fait ça ensemble, je vous montre avec le fil le plus clair. Je viens déjà à la base de ma feuille. Et je suis les lignes du dessin. J'hésite pas à repasser à côté s'il le faut. Voilà. Et surtout, je me cale bien le long des lignes, le long du dessin. Là, vous voyez, je suis au bord. Et je viens chercher entre deux fils foncés ma position. Je place mon aiguille. Et je passe mon fil. Même chose à côté, j'hésite pas à aller me placer entre deux fils du point précédent. Et on fait ça tout le long, on essaye de chevaucher nos fils, de remplir. Alors quelquefois on va juste au bord, comme ici, je vais juste au bord. Et parfois on va venir se caler donc à côté. Vraiment délicat quand c'est en un seul brin. Et on va aller chercher la ligne du centre. On ne va pas avoir peur de passer la ligne du centre.
et on fait bien fondre notre fil dedans, dans notre broderie, et ainsi de suite. Et on fait hop, entre deux fils, entre deux petits brins. Et en fait, le but, c'est de remplir la feuille comme ça, tout autour. Alors, c'est très léger comme nuance, puisque les couleurs, quand même, vous voyez bien que les couleurs sont quand même assez, assez proches. Vous voyez vraiment, la teinte foncée est vraiment, vraiment très légère. Mais, quand vous allez regarder de loin, vous allez la voir, cette nuance. Et c'est ça qui est chouette. Donc vous voyez bien la nuance entre le foncé et le clair. Vous voyez bien le foncé au centre, le clair sur le bord. Et selon comment vous allez poser votre broderie par rapport à la lumière, vous allez voir plus ou moins le dégradé. Et c'est ça qui est chouette. Ensuite, avec le fil plus clair, venez refaire votre ligne de centre. Donc moi, j'ai refait ma ligne de centre. Je vous montre ça plus près. Avec un fil clair, en tirant bien sur le fil pour qu'il soit bien fondu au centre. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il reste à faire la grande feuille. Sur la même méthode, vous faites cette feuille-ci, je fais la mienne et je vous montre ça tout de suite. À l'écriture du mot automne ici, ou fall en anglais, vous allez remarquer que vous avez des tout petits points ici dans le dessin. Alors attendez, je vous montre ça de plus près. Voilà, voyez, vous avez des petits points ici dans le dessin. Un petit peu partout, là, vous en avez qui se cachent. Hop, ici. Si vous faites le tour ici, 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 voilà, vous voyez ces petits points. Eh bien, vous allez prendre n'importe laquelle des couleurs que vous avez utilisées dans la broderie, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous fait le plus plaisir des couleurs, et vous allez faire des petits nœuds français aux emplacements des petits points. Pour rappel, les petits nœuds français, petits nœuds à la française, ce sont ces petits points là qu'on voit comme ça. Vous enroulez le fil autour de l'aiguille et vous allez faire ces petits points dans la couleur qui vous convient le mieux, qui vous plaît le plus. Et ça, ça va vraiment rendre votre broderie personnelle. Terminer complètement la broderie des fleurs. Donc si on va d'un bord à l'autre, voilà ce que ça donne. Vous voyez mes petits points, j'ai choisi de les faire en vieux rose. Et voilà. Maintenant, on doit passer à l'écriture. On remet ça tout droit. Et on va passer à la broderie de l'écriture. Pour ma part, j'ai décidé de faire l'écriture vraiment dans les tons d'automne avec le coloris 38-52.
voyez, c'est ce jaune un peu orangé qui va très bien aller dans le centre. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Si vous voulez prendre le rouge, prenez le rouge, le brun, peu importe. Prenez la couleur qui vous fait plaisir et qui va vous sauter aux yeux, qui va vraiment vous accrocher. Et votre couleur préférée, dans le fond, de la sélection qu'on a faite. En trois brins du fil que vous avez choisi, vous allez venir suivre les lignes d'écriture en faisant des tout petits points. Donc vous allez voir, on va faire des petits points et on va passer encore une fois au centre de ces petits points. Donc voyez-vous, moi je fais un petit point, premier point, je crée une petite ligne. Voilà. Et vous voyez que ça ne suit pas tout à fait, regardez, ça ne suit pas tout à fait ma ligne. Alors pour ce faire, je vais piquer un petit peu plus loin. Vraiment, j'essaye de les faire pas trop éloignés. Et je vais tirer avec mon aiguille, passer au centre des fils. Et je vais faire mon point comme ça. Ce qui fait que ça fond un peu les fils les uns dans les autres et ça vous permet de créer des courbes, ce qui va bien épouser la ligne du dessin. Hop, j'hésite pas à tirer, vous voyez, j'hésite pas à donner la forme. Voilà, et ainsi de suite. Vous faites comme ça pour toutes les lettres, tout le long. Des lignes de dessin. Allez, vous êtes capable de faire ça. Moi, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je vous montre encore quelques points. Vous voyez, j'ai mes petits points ici. Je viens piquer pas trop loin. Je sors mon fil et je viens bouger le point précédent et piquer au centre des fils. Hop. Et voilà. Et voilà, on a enfin terminé la broderie. Enfin, presque. Il reste le petit détail à rajouter ici. Mais si on regarde de près les points, l'écriture... Vous voyez ce que ça donne avec les petits points qui se chevauchent. On a toute cette petite broderie qu'on a accomplie ensemble. Bien, pour faire disparaître les petits traits éventuels de... vous voyez, moi ici, on les voit un tout petit peu de crayon friction. Bien, je vais défaire ma broderie du tambour. Je vais la repasser sur l'envers et je vais la refixer sur le tambour. Voilà notre broderie à plat. Vous voyez, j'ai enlevé le cerceau. Et comme je vous montrais juste avant, vous voyez le crayon friction. Maintenant, on ne le voit plus. Un petit coup de fer à repasser. Et la chaleur fait disparaître le crayon. Ça, c'est quand même super. Maintenant, on remet la broderie dans le tambour. Et je vous montre comment fixer le petit nœud. Pour faire le petit nœud, j'ai choisi de prendre un cordon en liberty. Vous pouvez prendre du biais, vous pouvez prendre du ruban. Prenez ce que vous avez envie. Vous venez faire une première boucle, comme ceci. Et ensuite, avec l'autre morceau, vous venez faire une deuxième boucle. Voilà. Et vous venez l'épingler. Vous pouvez l'ajuster. Hop. Et vous venez l'épingler au centre, ici, avec une petite épingle. Voilà, on voit mieux ce que ça nous donne quand c'est comme ça. On peut réajuster, faire des boucles. Et voilà, là mon petit nœud me plaît assez. Donc je vais couper mon cordon pour l'ajuster. Et ensuite, avec du fil de couleur en 6 brins, de la même couleur qu'on a utilisée dans notre broderie, bien on va venir par en dessous
piquer et on va venir entourer le centre du nœud pour le fixer à la toile. Comme ceci. Je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai fait un premier passage pour fixer mon nœud. Vous voyez, avec mon fil, on voit le fil orange. À ce moment-là, je peux enlever mon épingle. Je réajuste mon petit nœud si nécessaire. Et je vais à nouveau piquer pour entourer mon nœud plusieurs fois. On veut vraiment le fixer. N'ayez pas peur de jouer avec le cordon pour lui donner la forme que vous souhaitez. Voilà, on passe plusieurs fois pour être sûr d'avoir un lien qui se tient vraiment très bien. On retourne, on fait un petit nœud. Voilà. Hop. Vous avez votre petit nœud qui est fait. Et vous pouvez toujours l'ajuster. Et enfin, vous mettez à niveau votre petit nœud. Et voilà, c'est terminé. Voilà notre broderie terminée. Pour la mettre en position, je vais vous montrer comment on fait. On va venir retrousser le tissu tout autour à l'arrière. Comme ça, on aura vraiment uniquement notre broderie sur le tambour et on pourra l'accrocher. Le premier geste, ça va être d'ajuster votre toile. Moi, j'aime bien recouper un petit peu autour pour pas avoir trop de matière à retrousser à l'arrière. Donc, je viens un petit peu suivre mon arrondi. Et ici, je redécoupe un peu ma toile. Allez-y, comme ça, de toute façon, ça va être caché, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça me donne à peu près ça. Voilà, je retourne ma toile et avec du fil vraiment solide, vous pouvez prendre du coton perlé qui est un peu plus épais, vous pouvez prendre du fil solide. Moi j'utilise le fil pour patchwork, c'est quand même assez épais, c'est assez solide comme fil, hein. Ça se casse pas facilement. Et avec ce fil, vous allez venir faire un point pour fixer votre fil. Donc c'est sûr qu'il faut que le nœud soit fait. Hein. Voilà. Et vous allez venir faire comme ça. Vous allez en face et vous allez venir rechercher la toile comme ça. Vous allez faire comme une toile d'araignée, vous allez voir, ça va tirer un petit peu votre fil. Hop. Et je vais en face. Comme ça. Et ainsi de suite, vous étirez votre fil. Je vous montre ça d'un peu plus près. Je viens placer mon aiguille en face. Et avec le fil, je viens tirer. Voilà, ça va vous faire des grandes longueurs. Tout le long, ça va vous tirer la toile. Et ça va vous la retrousser vers l'intérieur. Alors, vous voyez un petit peu, c'est très discret, les fils. Un peu une toile d'araignée. Ces petits fils qui se rejoignent tous pour rentrer la toile. Et quand on retourne,
Et bien voilà, on a notre toile qui est terminée. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'accrocher. Et c'est super joli. On a une belle petite couronne d'automne. Je vous fais un gros plan. On revient sur le petit nœud. Ici, vraiment, c'est le petit détail. Hein. On a nos églantiers, notre petite feuille. Vous voyez un petit peu la nuance là? On le voit bien, hein, le foncé, le clair. L'échinacée.